l'invitation de son frère et ami, son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail à Conakry du 17 au 18 avril 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre du panafricanisme et du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République du Rwanda et la République de Guinée. Au cours de son séjour, les deux chefs d'État ont eu des entretiens qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension mutuelle. Ces entretiens leur ont permis de passer en revue les principales questions d'intérêt commun au plan bilatéral, régional et international. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République du Rwanda et la République de Guinée. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération. Ils se sont également réjouis de leur convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique fondé sur une gestion efficiente de la réalité géopolitique régionale et l'exploitation des potentialités économiques dans l'intérêt réciproque des deux pays. Sur leurs hautes instructions, les deux parties ont procédé à la signature des documents juridiques ci-après. L'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération entre la République de Guinée et la République du Rwanda. Le protocole d'entente entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda dans le domaine des postes, des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication, de la digitalisation de l'État et du numérique en général. À ce titre, les deux parties ont convenu de passer en revue les accords existants entre les deux pays et de programmer dans les meilleurs délais la grande session inaugurale de cette grande commission mixte de coopération, cadre de concertation privilégié. Durant son séjour, Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République rwandaise, a participé en compagnie de son frère et ami, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, à la cérémonie de levée de la quarantaine des nouveaux élèves du prytanée militaire au palais Mohamed V, suivi de l'inauguration de l'échangeur de Kagbélé, baptisé du célèbre nom de Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au terme de sa visite d'amitié et de travail en République de Guinée, Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement de la République de Guinée, ainsi qu'aux Guinéens et singulièrement à Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, pour l'accueil fraternel et chaleureux dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet durant leur séjour en République de Guinée. Le président de la République du Rwanda, Son Excellence M. Paul Kagame, a invité Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, a effectué une visite d'amitié et de travail au Rwanda. Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a accueilli favorablement cette invitation. La date de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Fait à Conakry le 18 avril 2023 en deux exemplaires en langue française et anglaise.